Dans ce contexte, comme l'a été le récent scrutin sénatorial, les prochaines élections législatives doivent être le rendez-vous de la démocratie exercée dans la paix, la liberté, la transparence et la justice. D'ores et déjà, j'exhorte toutes les parties prenantes à ce processus électoral à s'investir pleinement pour son bon déroulement, à privilégier toujours l'intérêt supérieur de la nation. Pour ma part, j'y veillerai scrupuleusement. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, l'année 2012 au Congo-Brazzaville sera marquée par des pseudo-élections législatives, puisque devant couronner des nominations, si elles ne sont déjà faites, des membres d'une assemblée d'enregistrement. 2012 sera probablement aussi et surtout marquée par une énième modification d'une constitution illégale, pourtant taillée sur mesure, orchestrée par une classe politique vieillissante. Mes chers compatriotes, au-delà des divergences dans le choix des objectifs et des priorités, ainsi que des moyens d'action, divergences inhérentes à toute société humaine, nous avons en partage une communauté de destins faite de l'héritage du passé, des défis du présent et des promesses de l'avenir. Nous avons en partage notre foi inébranlable dans la nécessité absolue de vivre ensemble. Nous avons en partage notre nation dont nous ne devons laisser à personne le soin funeste d'en déstabiliser les fondements. Ce sont là autant de repères nobles qui commandent que nous nous donnions toujours la main dans l'affirmation d'une solidarité active, que nous regardions toujours dans la même direction, celle d'un Congo uni et indivisible, déterminé à se battre et à gagner. C'est notre défi pour 2012. C'est notre combat permanent. Je crois, mes chers compatriotes, que l'exercice du pouvoir doit consister à mener des politiques qui favorisent la solidarité interethnique et l'unité nationale, afin d'aboutir à l'éclosion du Congolais nouveau. Ce Congolais nouveau, tel que je l'imagine, est un citoyen qui n'aura plus pour axe de raisonnement la région d'origine pour exclure son frère, mais la richesse culturelle de chacun pour s'unir à l'autre et être fier de former avec lui la nation que chacun de nous appelle de ses voeux. Mes chers compatriotes, je voudrais ici réitérer mon appel à l'unité des peuples Congo, Tété et Ngala, afin que le sang de nos martyrs qui ont combattu pour la défense de l'idéal démocratique, incarné par la Constitution du 15 mars 1992, deviennent le prix de la reconstruction et de la concorde nationale.